Bonjour à tous et à toutes, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour un let's play sur Deus Ex Mankind Divided. Je m'étais énormément amusé sur le premier, j'avais fait le DLC en plus, chez nous manquant. Seul petit reproche que je pouvais faire, c'est que, ayant joué en discrétion tout le long du jeu, qu'on soit obligé d'être en confrontation au niveau des boss, ça me tiquait un peu. Je sais pas s'ils ont changé ça dans celui-là, on va bien voir. J'essaie de rien me spoiler du tout de l'histoire, donc c'est de la grosse découverte. Allez, Bandigo. Donc, de ce que j'ai compris, le jeu prend en compte le fait qu'on aurait fait exploser le bâtiment à la fin de Révolution. Et pas les autres choix. On va bien voir. Je veux un défi. Oui, bah oui, on se met en normal, quoi. Ah oui, et oui, c'est vrai que j'avais joué. C'est quoi les différences? J'avais joué sur console. C'est. Bon, bah je vais prendre cela. Je pense que je devrais y arriver. En 2027. Les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie de pointe. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, les mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. Trois d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les meilleures augmentations de David Sarif. J'ai mis 6 mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité. Une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenté à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient. Les mêmes qui m'avaient laissé pour mort 6 mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant. Mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement, en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise Dengsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul.
La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Engsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent de l'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Belltower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui-même qui contrôlait l'augmenté à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Encha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsule sordide. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru, la présidente de Taiyong Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taiyong Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen m'avait pas tout dit. Mais je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses quatre meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leurs ravisseurs les faisaient passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Ces puces GPL auraient dû être en service le jour de l'attaque. Mais d'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus, le leader mondial de l'info en continu. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan, la première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde, qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée deux fois par le passé, Fedorova, une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus, et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus, et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, appelé Isaiah Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Sarif, pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organiques et augmentés étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde.
D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Pritchard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine. Et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Beltower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Engsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les Triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tang Si-Hung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Beltower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Beltower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Beltower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se seraient arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Quinn. En échange de mon aide pour faire tomber Beltower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Rancho Mega, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient trois des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leur ravisseur à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Megan dans une section privée du ranch. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zao, il espérait me prendre par surprise. Mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Megan dans une suite appartenant à Yuk Daro, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Daro l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopuce en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Daro a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les biopuces. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Daro avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan Arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Le temps que je mette un terme à la diffusion de Daro, le mal était déjà fait. Pourtant, l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations? Quel serait le prochain coup des Illuminati? Les réponses viendraient avec le temps. Par un augmenté. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Sista Airlines ont été tués après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Octolo! Octolo Alan!
Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flashback de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a 2 ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. Parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qu'on est devenu. N'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifié. Dites-moi. Si je pète un câble, vous aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agent Jensen, est-ce que vous allez me poser un problème ? Non, chef. Y a pas de raison que ça arrive. Bien. Parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurai besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus. Alors on n'a aucune marge d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard, un ex-Bell Tower. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu pendant l'incident. Et il vient se montrer ? C'est pas bon signe. Effectivement. Il est là pour vendre des armes et des augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, l'agent infiltré qui a réussi à faire sortir Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol. Ça fait 3 ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de contrebande à prix cassé. Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça. La couverture de Singh est en béton ? En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra-résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au bain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur ? Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée, dans le hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements terrasses pour avoir un avantage. Macready, avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit, en solo. Et mon objectif ? Empêcher les djinns de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici. Je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là ? Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon vieux. Prenez pas le risque. Ah ben on l'étale, hein ? Faut pas oublier notre agent. Il aura moins de mal à conserver sa couverture s'il est pas le seul survivant une fois l'opération terminée. C'est pas bête. Ouais, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous qui préviendrez sa femme. Une fois que vous serez sorti de l'hôpital. Quelle portée vous voulez ? Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exiguës. Hein, c'est au petit bonheur la chance, en fait. Ouais, bah écoute. Je compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Entendu. Vous aurez moins de chances d'être vu et de compromettre Singh comme ça. Une dernière chose, Jensen. D'après Singh, les djinns se servent d'un genre d'appareil Wi-Fi portatif pour amplifier leur communication. Il aura une meilleure chance de conserver sa couverture si vous le désactivez. Je vais faire de mon mieux. Mais on n'est pas un peu pressé, là. Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Et comme on a eu les infos sur cette mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro 1, c'est d'empêcher les djinns d'approcher du hall. Bien sûr. C'est l'heure de ranger vos sourires, messieurs. On sera bientôt arrivé à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti. Task Force Actual, ici Knife Leader. Je passe en mode furtif et je descends à 15 000 pieds.
YOLO sans parachute. Leader, ici Jensen, je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que vous devez bloquer est à l'autre bout des appartements terrasses. Et n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins risqué. Bien sûr. Macready nous préviendra dès que son équipe sera en position. Terminé. Je me refamiliarise un petit peu avec les commandes parce que depuis le temps... Je peux balancer des trucs. Chouing. C'est bio. C'est bio. Voilà alors. Comment? Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça, c'est la grenade. D'accord. Comment je fais de la bêtise? Ça, c'est pour sauter. D'accord. Ça, c'est pour recharger. Ça, c'est pour ranger mon arme. Et j'ai pas de... Je viens de recommencer. Je suis con, moi. Qu'est-ce que je voulais voir? Donc ça, c'est mes augmentations. D'accord. Ça, j'ai ma croupite. Là, je zoome. Alors, attendez, parce que... Fléchette tranquillisante, biocellule. À quoi ça sert? D'accord, donc c'est pour les augmentations. Ça, c'est un truc. Et un bidule. Des grenades. J'en ai plus, donc comme ça, c'est réglé. Ouais, on est à fond quoi, au niveau des augmentations. Hein. J'imagine que ça va pas durer. Pourquoi j'ai le sentiment que ça va chier dans... Ça va chier dans le ventilo. Juste un truc. Alors, D'accord. Désolé hein, pour ce petit contretemps. Voilà. Et normalement... Non, putain. Laisse tomber. Non, hop. J'ai encore balancé une grenade. Jensen, ah. On progresse dans... Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Les djinns ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire, Macready. Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre. Alors, je rengaine. Voilà. Ça, c'est bien. Je me mets debout, ça, c'est bien. Je m'accroupis, ok. Non, ça, c'est pour se mettre à l'abri. Sois pas débile. Ok. On a du... Pouli. Est-ce qu'on a de l'endurance? Est-ce qu'on en avait? Thank you.
Oui, certes. Détail secondaire. Ça me plairait bien. Comment on l'active? Bon, D'accord, code triangle en jeu, serait bien. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça, c'est les configurations. Non, mais c'est quoi? Allez, voilà. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, ça je m'en fous, moi je veux les objectifs. Des appartements terrasse. C'était un peu bourrin ça quand même. Paye ta discrétion. Intéressant par ici. Non, c'est tous des trucs à jeter. Je voudrais aller à un étage plus bas, si possible. Juste là. Qu'avons-nous? Des trucs à jeter. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Par contre, que vois-je là? Non. C'était peut-être des conduits de... Ah oui? Ils sont devenus dingues. Je suis en train de bosser sur le système d'aération quand le courant a été coupé. Je suis coincé, mais au moins je suis à l'abri. Ils sont en train de faire un massacre. Ils crient et tuent tout ce qui bouge. T'es où toi? Si tu peux, essaye de rejoindre l'entrepôt sur le toit. Tu trouveras même du matériel de premiers soins. Le code de la porte, c'est 4801. Bim! Ça s'est fait. Eh, comme quoi, faut fouiller de temps en temps. Utilise échelle. Ne fais pas ton débile, s'il te plaît. Donc si je trouve une porte fermée, j'ai le code. Faut aller par là. Je vais aller de l'autre côté. Pas sauter plus loin. Non. C'est pas très... C'est pas très discret ça, monsieur. Je viens. Vas-y. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller là-haut? Je suis pas sûre. Hein.
C'est tentant, mais... Ça, c'est déjà ce que j'ai. Ah, la Smart Vision, oui, je veux bien. Très bien. Donc, on a un truc à casser. Voilà. On a un locker et rien de bien intéressant. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Eh oh. Voilà. On va prendre casser les murs. Oui. On avait dit discret. Qu'avons-nous là? Qu'est-ce que c'est? On sait pas. Il y a des gens par là. Très bien. Oups. Je vois qu'on peut passer par là. Si tu peux, si tu peux. Hop là, va pas trop loin. Je sais pas où je suis. Oui, ou j'aurais pu passer dessous. Effectivement. Ça veut dire que quiconque va rentrer là va se prendre un coup de jus. Très bien. S'il n'y a rien. Moi y compris, lui. Danger électrocution, oui, merci. Ça veut dire que je peux repasser par là. Bon, j'avais dit que je voulais tuer personne, donc on va peut-être enlever ça. Voilà. Donc, les affreux. Ils sont là, ils me regardent pas. Très bien. Est-ce que je peux éventuellement passer par ailleurs? Je pense pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Si tu peux, si tu peux. Non, tu peux pas. D'accord. Oh, zut, hein. C'est vraiment pour. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça j'aimerais bien le faire. Ça c'est un ascenseur. Juste. D'accord, ça c'est les niveaux. Très bien. Ça, je m'en fous, je m'en tamponne. Déverrouiller les portes. Ah, donc je suis obligée de le rebrancher quand même. Je suis quand même obligée de le rebrancher, d'accord. Donc c'est moi qui dois faire attention à pas m'électrocuter, tout simplement. Les autres s'en foutent.
Mais, la copie. Choupid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 oup
si. Tu ne m'as pas vu, tu ne l'as pas vu. Non, c'est pas moi. خلينا ننهي هذه الصفقة ونطلع من هان. Non. Ce que je voulais voir, débrouiller porte, neutraliser l'amplificateur. Est-ce qu'il y a moyen de l'afficher sur la carte? C'est ici? Tu prends l'ascenseur, c'est ça? De tous les cas, il faut y aller. Mais j'irais bien prendre l'échelle là en fait. Juste pour voir où est-ce que ça mène. Je peux pas poser des... Ah. Faut que je ressorte. Tu veux bouger, s'il te plaît? Non, non, pas dessous. Hop, voilà. Oui, je voulais aller voir par là. Tu ne me parles pas. Y a rien là? Non. Oui, alors avec moi, une simple mission peut prendre des heures. Je vais fouiller partout, essayer de trouver le moindre petit bignou. C'est pas une boîte à outils là-haut? Non, c'était ça que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est? Non. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite. Je suis là. Ah oui, mais ça c'est l'échelle en fait. D'accord. Ni plus ni moins. Bon bah, voilà. Choupidoupidoupidou. Choupidoupidoupidou. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est fermé ou pas? Pas forcément. Est-ce qu'il... Oh, il y en a un qui se balade là. N'importe. Ah, mais il rentre dedans en plus. Non? Non. Super moi. Jensen, Mac, écoutez-moi. D'après les données du radar, la tempête de sable est tout proche. Elle est énorme et elle va tout dévaster. J'ai horreur du désert. Visuel confirmé? Confirmé. Le temps joue contre nous. Bien sûr. 5 sur 5. Mais non, vous m'avez pas vu. Je voulais atterrir en douceur et puis il a sauté comme un bonnet. Mais allez-vous-en. Ils vont rester plantés là pendant longtemps ou... Non, c'est bon. C'est bon, ils sont un peu cons. Ah oui, c'est vrai. Oh, punaise. Je suis bête, j'utilise... Tu regardes par là ou pas? Non? Faut que je les neutralise. Il faut que j'arrive à les neutraliser et je me suis mis dans le caca.
Vas-y, saute. Mais ressaute. Mais ressaute. Ah, je peux pas. Non, 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 non. C'est pas moi. Je jure. Bon, d'accord. C'est peut-être moi. Pardon. Le suivant, il est où? Le suivant, il n'en a juste rien à carrer, donc... ouvre la porte. Triple buse. Là, il dort. Voilà. Bon, bah maintenant, je peux faire ça tranquille. Il y a encore du progrès à faire. J'ai pris ton arme, je n'en aurais pas besoin. En tout cas, j'ai pas l'intention de m'en servir. Oui. L'autre, il parlait d'un truc sur le toit, mais visiblement, je suis passée à côté. Et sinon, il y a les ascenseurs. Ça m'a l'air un peu risqué, tout ça. Lui, je l'ai fouillé, là, j'ai fouillé, là, il n'y a rien. Donc, il faut casser le mur. Donc, j'étais bien obligée de passer par là. Allez. Pouac. Ouais, c'est ça, Icarus. Eh ben alors? Je croyais qu'on devait atterrir en douceur avec ça. C'est des mensonges. Oups. Qu'est-ce que je devais faire? Ah si, bah oui. Non, mais non. Vas-y, allez. Je vais me débrouiller comme une grande. Hein? Alors, est-ce qu'il y a des gens là-dessous? Ici? Non, mais là, oui. Oups. Il est où? Il est là. Qu'est-ce que c'est? Non, je vais pas jeter une tasse à café. Je vais simplement m'occuper de lui. Oh bah non, bah saute pas aussi quand je viens. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Est-ce qu'on le voit quand il y en a là? C'est pas dit. Ok, donc il y a lui. Tu te balades comment toi? Faudrait qu'il se mette à l'abri, non? Choup, 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 choup. Tu me regardes ou pas? S'il te plaît, tu m'as pas vu. Alors je suis désolée pour la caméra qui fait un peu n'importe quoi. J'ai peut-être mis la sensibilité un peu forte. C'était rapide. Oui, alors je viens de voir ça, donc si ça vous embête pas. Oups. Bien, il y a beaucoup trop de choses qui reposent sur cette transaction. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve coupé. Je sais pas s'ils peuvent me voir à travers, donc... McCready, comment ça se passe? C'est plus lent que prévu. On dirait que quelqu'un a retourné la terre d'un cimetière par ici. Pardon? Quand tout est parti en couille en 27, les gens ont dû se ruer vers les escaliers. Il y a des cadavres partout. Il y a même des cousins à vous, Jensen. Vous voulez que je vous rapporte une petite pièce de rechange? Non, mais je prendrai un nuage de lait et de sucre, si vous voulez bien. C'est le nouveau prix de charme, c'est ça? Non, non, merci. Je veux me débrouiller sans. J'avais un truc à faire quand même, mine de rien, que je n'ai pas fait.
C'est quoi ça? Ascenseur, je m'en fous de l'ascenseur. Échelle. Encore un ascenseur. C'est Les objectifs sont encore moins clairs. Département terrasse. Moi je veux bien, je sais pas où ils sont. Je veux l'activer. Il y a un truc qui manque là, ça me manque. Bon, je vais réactiver ma quête parce que de toute façon. Non, y a rien du tout, juste du sable. Bloqué. Il y a du monde en dessous. Non. Alors, on a lui, on en a un en bas. Et c'est tout. Mon inventaire. Mon inventaire. Non, pas de la bière. Analgésique non plus. Ah non, RT. Il bouge pas lui. Si, il bouge. Ma fils haga hina ghir ar-ramla. Jensen, où vous en êtes? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr. Donc, dans les appartements terrasses, donc, probablement quelque part par là. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Pourquoi c'est aussi long? On va faire dodo, hein? Elle m'a charoqué là. Hop. Ah non, c'est au-dessus. C'est bon. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que j'aille voir au-dessus. Qui s'y passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre là? Non, c'est au-dessus aussi. D'accord, ils sont tous les deux à l'étage. Ou en dessous. Qu'est-ce que c'est? Un carton. J'en veux pas. Désolé, je suis couché. Dans la baignoire. On n'aurait pas dû venir ici. Oh! Émanation toxique. Oups. Ah, mais en bas. À moins que ce soit ça et. Surtout pas d'excès de confiance.
D'accord, donc je peux y aller sans problème, c'est ça? Très bien. Allez, vas-y, saute. J'espère qu'on aura fini avant la tempête. J'aime pas cette tempête. Elle se déplace beaucoup trop vite. Parc des expositions. Salle d'observation. Ah mais les appartements de terrasse, c'est en haut en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je suis redescendue moi. Est-ce qu'il y a des choses par là? Ouais. Je suis en train de mourir, c'est ça? C'est bien possible. Et oh, remonte! Très... Abruti! Aïe! Il va me voir. Oh, mais là-bas! Est-ce qu'ils vont me voir? Si je monte les escaliers. Vous pensez? Pio, fais le petit moineau. Mais oh, mais. Rentre dedans. Ah, c'est toujours aussi pénible ça. Pardon. C'était pas discret. Ah! C'est pas ça qu'on cherchait? J'attends de voir s'il bouge parce que. L'amplificateur est activé. Bien, je pouvais à peine les entendre en bas. Bon, ouvre bien l'œil, on va aller voir si je trouve. C'est ça, va-t'en. Toi, tu restes là, très bien. Bah non. Bah non, mais restez pas tous les deux dans la même pièce. Ok, il se pose au calme. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Pff, t'as rien vu, alors là. Non, mais non. C'était un rat. Tu vas pas grimper dedans. Rassure-moi. T'es pas assez intelligent pour ça. Non. Mais non, c'était rien. C'était rien. Patrouiller. C'est ça, va patrouiller. Si je le ferme, il ne verra pas. Tu pilou pilou pilou, veux-tu bien bouger de là? Est-ce qu'il y a moyen de se cacher là? Ouais. Donc va voir ailleurs. C'est ça. C'est ça, très bien. Que tout le monde m'écoute. Chang a piraté le signal radio des Jin. On vérifie notre connexion. On devrait entendre Singh d'une seconde à l'autre. Khalil, le rogue qui a parlé de la chagat est venu un peu. Je vais vous dire que les gens sont en train de se faire. Khalil, vous êtes en train de se faire. On est connecté. On reçoit bien. Bien. Je nous reconnecterai quand ça commencera. Ah, un petit journal. Bon, je vais pas tout vous lire. Voilà, il suffira de mettre sur pause. Toi, merci. Tiens, il y a un type mort. Merci. Toi. C'est pareil, hein.
Tu vas dormir le traitement ? Toc toc. Ça, je le savais. Je le savais. La petite tape sur l'épaule, ça fait toujours plaisir. Allez, viens là. Et... je vais pas le lancer. Miller, j'ai désactivé l'amplificateur des djinns. Il devrait avoir plus de mal à écouter l'échange. Beau travail! Avec un peu de chance, Singh sortira de tout ça avec sa couverture intacte. Bien sûr. Je me dirige vers la cible principale. J'ai vu qu'il y avait un ordinateur, on va le pirater. Donc on est là. Il est déverrouillé. Prenez patrouille, serez-vous peut-être en ordre. L'amplificateur est installé, très bien. Quand vous aurez terminé à Dubaï, je partais Rabia avec Wazim, le bidonville à l'extérieur du mur, regorgement potentiel. Ouvrez tout ce qu'ils veulent au plus fort. Ne reposez de nourriture, tout ce qui pourrait nous attirer leur bonne grâce. Dites-leur qu'ils auront beaucoup plus en échange de leur loyauté envers les djinns. S'ils refusent, Wazim leur prendra ce dont il a besoin. Bien, bien, bien. Donc, là, techniquement, j'ai fait ce qu'il fallait. Il me reste plus. Bon. De toute façon, je présume qu'on va se retrouver sans rien du tout d'ici peu de temps. Donc maintenant, objectif, atteindre l'étage d'en dessous et arriver jusqu'ici. En sachant que je suis là, je peux passer par les escaliers, ça risque d'être un peu visible. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Non, ça c'est une baignoire. J'ai vu qu'il y avait un... un autre truc là. Oui, juste ici. Est-ce qu'éventuellement, je peux l'ouvrir. Mais il me faut un truc pour monter dessus. Une boîte, quelque chose, ça je peux pas le porter. Zut. Gluc fluc. Bon, bah tant pis. On va faire ça. Oh. Coucou. Papa, il y a du monde. Non, c'est bon, c'est pas là. Il y a du monde ici. Et moi. Ça chauffe, non? Il faut que j'aille là. Donc. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, c'est pas ça. J'aime bien que tu bouges toi aussi en fait. Très bien. Si j'y vais... Oh non, il revient, non? Il revient ou pas? Je sais pas. On a besoin de ses armes. Oh mais non, fais pas ça. Jensen, on est dans le hall. On prend position sur les terrasses. Vous en êtes où? Je suis en chemin. Ouais, ben grouillez-vous. Oui, ça va. Hein. L'hélico ennemi va pas tarder, la tempête non plus. Vous avez désactivé l'amplificateur? Affirmatif, je l'ai grillé. Alors notre robot a un cœur finalement. C'est sympa de prendre soin de l'équipe. Terminé. J'aimerais bien m'occuper de lui, en fait. Parce qu'il va m'embêter. Et on va le mettre là derrière. Je pense pas qu'on puisse le voir. Bien, bien, bien. Ah bah, il y avait un autre...
brillante là, non? Oh, j'ai pas les codes. C'est quoi cette dame bleue qui est? Alors, il faut que j'aille là. Je peux récupérer des trucs en passant par là. Ou en passant par là, c'est quoi les 30%, 30%? Ils sont tous à 30% ici. Répertoire. Ouais. Accès au dernier étage sécurisé. Les djinns poseront plus de problèmes à vous. Bien reçu. C'est pas trop tôt. Hélico ennemi en vue. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, on tient la position, chef. L'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la, tous les deux. 5 en position. Pourquoi je sens que ça va chier? Ça va pas se passer comme prévu. Tout le monde sur le coup, messieurs. Singh à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. Donc lui, c'est pas le gentil. La cible est dans la zone. N'oubliez pas, Singh est là. Faites gaffe où vous tirez. Vous avez du cran. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt Dame Nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Comme moi dans Shepard. C'est les armes? Donc celui en rouge, c'est celui qu'on doit protéger. Du matos. Hein, ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric. Hop. D'accord. C'est bien ce que je pensais. On n'est pas tout seul. Shepard est mort. Quoi? Qui l'a tué? Dites-moi ce qui se passe en bas. Miller, c'est pas les djinns. Je répète, c'est pas les djinns. Ils veulent les armes. Ouvrez le feu. Ouvrez le feu. On engage. Ouvrez le feu sur eux. Après, ils vont prendre l'hélico. Vous les avez? Négatif, négatif. On se fait cadarder de tous les côtés là. Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen. Je m'en occupe. Bien sûr. Compte toujours sur moi, hein. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai des missions secondaires? Non? Non? C'est bon? J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! J'appelle l'ascenseur ou je saute? Ouais, je saute. Grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Allez, hop. Un moins. Et le suivant. Il est où le suivant? Ça va pas être évident, ça. Vas-y, hé. Hey. Ah, je peux pas. Je peux rien viser, en fait. Voilà, ça c'est fait. Le prochain, non, je peux pas. Où est l'hélico? Je sais pas. Allez, je sais pas ce que je fais, mais je sais pas où je vais. C'est génial, c'est la joie
intégrale. Non, allez, bim. Putain. Il est où? Il est où? Oh, je suis mort. J'avais pourtant bien commencé. Mais j'ai toute mon énergie. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Il a rien dans les poches, bien sûr. Au suivant. Allez, on est par là. Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico! Bien sûr. L'hélico, je sais pas où il est. T'es bien gentil. Oh, je suis pas grimpé. Oh. Comment? Un angle à 90 degrés, tu sais pas monter dessus. Mais c'est quoi ça? Vas-y, encore un peu. Vas-y. Je sais pas ce que je fais, mais. Non, tu m'as pas vu. Bien sûr que non. Bon, on va servir du radar, hein, parce que... Là, présentement, je vois pas grand-chose. J'étais censé faire quoi? Non. Tout le monde me voit. Je suis censé faire quoi et où? Y a pas de truc à faire, là? Non. Tu ne m'as pas vu. Alors, je suis peut-être un peu miro, hein. Mais je vois pas trop ce que j'ai à faire. Du coup, on suppose ce que je voulais faire. Ah oui, d'accord. Ah bah non. Ah bah oui. Forcément. L'hélico est à terre, je répète. Jensen ! Tout le monde est mort. Non ? Y a pas de quoi le câbler. Merde. Le sable dans les circuits, c'est pas très bon ça. Il va grincer aux jointures. Mais bien sûr! Mais quoi? Il se prend pour Icar. Des yeux artificiels jusqu'aux prothèses. Ordinateur de taille moléculaire. Une évolution contrôlée par l'homme, ouverte à tous. Nous fusionnerons avec les machines, les ordinateurs. Quand ce sera fait, les Illuminati ne pourront plus contrôler, comme vous avez prévu, les hommes et les femmes comme vous. Des scènes d'horreur dans les rues de Détroit. La police est emparée des personnes mécaniquement augmentées. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubaï. Ils sont des millions à mourir. Des millions. Il y a des petites coupures là. Désormais plus qu'une mission de récupération. La République tchèque est à la tête d'une liste grandissante de pays demandant le déplacement des citoyens augmentés. C'est un nouveau monde, Adam. On a peur des gens comme vous. Relogé dans des quartiers sûrs, sécurisés et aujourd'hui. T'attendais sûrement pas à ce que ça finisse en 25. On est des victimes. On nous punit pour une tragédie qu'on ne pouvait pas contrôler. Ils contrôlent l'opinion. Ils manipulent les faits pour enterrer la vérité. Des détonations multiples, sans doute des voitures. Une nouvelle attaque terroriste, cette fois-ci dans un commissariat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a chargé un gamin.
Agent Jensen. Ça doit plus jamais se reproduire. Combien nous coûtent les événements de Dubaï ? Ils connaissaient les risques. Combien d'agents a-t-on perdu ? Tous. La tempête n'a pas aidé. La mission est un succès. Clairement, salut, vous calculez Bob. Vos succès de façon généreuse. Je crois généreuse. Que c'est ça son nom. Cela étant, que... l'aspect erratique de l'attaque pourrait finalement jouer en notre faveur. Interpol sera longtemps perturbé. Et sous nos conseils avisés, le public finira par changer d'avis. Après tout, nous sommes tous dans l'aventure jusqu'au bout. Ça ne changera pas. Vous croyez ? Il faut que je vous rappelle à quel point on s'est éloigné de l'objectif. L'incident a provoqué un vrai schisme social. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Et la situation s'aggrave de jour en jour. On ne peut pas tolérer ça. Si on veut imposer notre vision... Les éléments perturbateurs doivent disparaître. Nous sommes tous d'accord. Vous et moi. Mais je vous en prie, laissez-moi aller à New York évaluer la situation. Nous avons peut-être déjà les voies nécessaires au vote de la loi pour le retour à l'humain, messieurs. Très bien. Stanton, accompagnez-le. Il faudra peut-être passer par une pression financière et politique pour faire taire les opposants. Faites donc. Elizabeth, je vous recontacte plus tard. Ça ne marchera pas, Lucius. Même avec l'argent de Dowd. Vous savez ce que Rand va trouver à New York ? Des hommes faibles, impuissants. Et sans savoir ce que compte vraiment faire Nathaniel Brown. Bien sûr. C'est pour ça que nous poursuivons notre stratégie alternative. Vous parlez souvent beaucoup, Paige. C'est l'occasion de faire vos preuves. Tout est en place. On peut commencer à votre signal. Vos communications sont sécurisées, Bob. Ces temps-ci, Janus semble avoir des yeux partout. Son collectif mastodonte et lui... Janus ne posera pas de problème. Je me suis arrangé. Dubaï a posé les bases. Maintenant, il faut attirer l'attention. Paige, activez la cellule dormante. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Ça fait bizarre de voir le jeu sans cette espèce de filtre orange qu'il y avait tout le long de Human Revolution. Miller, c'est Jensen. Je viens juste d'arriver à la gare. Bien sûr. C'est moins oppressant, en fait. On débriefera quand vous serez là. Vous venez directement au bureau ? À moins d'un problème à un poste de contrôle. Normalement, vos papiers sont en règle. Alors faites profil bas. Terminé. Je coupe. Vos papiers, normalement, tout est en règle ? Non, j'ai bien peur que non. Quoi ? Mais comment ça, mes papiers sont pas bons? Vous devez laisser passer ma femme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vladimir Chevrolet. Ah! Pardon, désolé. Oh putain! Saleté de câblé! Vous pouvez pas regarder où vous allez. Attendez, madame, je vais vous aider. J'ai faim, je vous en supplie. Madame? Sérieusement? T'aurais préféré ma puce. T'as eu mon message pour Dubaï? Ouais. Contente que t'ailles bien, Adam. Dans le 4, ça devait pas être beau. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien vu venir.
Tu sais qui nous a attaqués? Je suis sûr que la Task Force va trouver quelque chose, et que le collectif Mastodonte aura flairé une autre piste. C'est quand même bizarre, te trouves pas? Qu'Interpol envoie ton équipe, celle de Prague, pour une mission à Dubaï. Miller a dit qu'il avait eu les infos à la dernière minute, et qu'on était la seule équipe d'assaut disponible. Ouais, bah, il ment. Bienvenue à Prague, les autorités. On fera mieux de bouger. Plus vite que ça. Le collectif suit de très près toutes les divisions de la Task Force depuis qu'on t'a infiltré dans le monde. Ils ont une équipe à Oman. Ils auraient pu être sur place beaucoup plus vite que ça. Alors pourquoi nous? Aucune idée. Si la Task Force est une couverture des Illuminati, comme on pense, ça n'a pas de sens de l'envoyer dans la gueule du loup. Une petite seconde. À moins que ce soit pour faire de nous des témoins officiels. Augové, připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Fais pas remarquer. Co je za problém? Tu sais que c'est pas mon genre. Non, c'est bon. Nezastavuj se! Je te jure que c'est de pire en pire ces derniers jours. Tout le monde regarde par-dessus son épaule. Ils ont peur que des augmentés comme nous se jettent à nous. Ça va finir par arriver. À force de traiter les gens comme des animaux, ils vont se comporter comme des animaux. Tu dis ça comme si on pouvait rien faire pour l'empêcher. J'ai déjà essayé il y a 2 ans. C'était pas très concluant. Alors quoi? Tu crois qu'on devrait laisser tomber? Qu'on laisse la haine et les préjugés prendre le dessus? Alors là, pas question. Je dis juste que pour combattre un ennemi, il faut le voir. Les hommes à l'origine de tout ça, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qu'on doit arrêter. Je croyais que tu le savais. Mais je le sais. Toi, moi, le collectif, on essaie tous de les arrêter. Je peux pas dire qu'on doit fermer les yeux. Alors aide-moi à les trouver. Retournez dans la ville, monsieur. Ok, ok. Reste là. Ma place. Non. Bougez plus. Faites-moi voir vos papiers. J'ai rien, moi, tout va bien. Je suis pas du tout augmenté. Non, non, non. Fais gaffe à toi, le câblé. Vraiment qu'on en passe par là? Vous l'avez bien cherché. Laissez ça tranquille. Ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Stop. Déteste cette ville. Suis-moi. Si t'as vu juste pour Dubaï, si les Illuminati avaient besoin de vous comme témoin, alors faut qu'on découvre pourquoi. Qui vous a donné l'ordre de vous mobiliser? C'est Miller. Mais ça venait sûrement de plus haut dans la chaîne. Ça veut pas dire qu'il est pas impliqué. Tu sais ce que c'est, le SRN? Le sous-réseau neural. À la TF-29, les directeurs s'en servent pour planifier les opérations et parler en privé. Quoi? Une puce espionne, un dispositif de mise sur écoute. Janus l'a conçu pour s'adapter à la carte mère du SRN. Ah, Janus, le mystérieux leader des pirates activistes. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Un jour, peut-être. Pour l'instant, concentre-toi sur Miller et trouve un moyen d'accéder à la carte mère du... Décidément. Alex, ça va? Ouais. Ouais. Faut pas traîner là. Ok, sois prudent. Recule, je vais t'aider.
ATH. Oh, merde. Ça, il a fallu s'en douter, hein, forcément. Ça aurait été trop bien. Alex, c'est Adam. Hé, hey, c'est quoi cette voix? Tu te sens bien? J'ai un peu mal, mais ça va aller. Et toi? Ouais, ça va. J'ai connu pire. Je sais pas trop quoi penser de ce merdier, et toi? Écoute, Alex, mes systèmes déconnent un peu, alors... faut que je vérifie tout ça. Mais si tu veux qu'on se voit... Quoi? Non, ça va, allez. Prends plutôt soin de toi. J'ai une coriace. Appelle-moi quand tu seras de nouveau en état, d'accord? On fait comme ça. À très bientôt. Je ressemble à quoi, son pantalon? Hé. Ah bah bien sûr... Oh non, mais sérieux! C'est abusé, ça. Bon. Mes premières impressions, pour l'instant. Le jeu, déjà, est relativement fluide. Bon, sauf dans les cinématiques, on a vu qu'il y a eu quelques petites coupures, des petits freezes. Mais sinon, il est hyper fluide, quoi. Alors après, les graphismes sont pas fou. Hein, c'est ceux du précédent légèrement améliorés. Et ils sont pas foulés sur la synchro labiale, encore une fois. Bon, mis à part ça, élément à vendre. Boum, vas-y. C'est sympa, tu fais de la peinture? Ah non, c'est pas de la peinture, ça. C'est des sondes pour le cerveau? Tu répares des montres, mais pourquoi donc? T'emporte pas. Fais détacher. Non, ça va être pénible, ça. Dans tous les cas, un peu de mal à me remettre les contrôles en main. Hein. Mais pour l'instant, je pense que ça va être un bon truc. Mmh. Oh, mais non, je vais pas lire maintenant. D'accord. C'est le truc de la ville, c'est ça? Très bien. Donc, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Alors certainement dans 15 jours, parce que je vais partir en vacances et j'aurai pas forcément la possibilité d'avoir accès à internet pour mettre mes vidéos en ligne. Donc voilà, il va falloir se contenter de ça pour l'instant. Et puis, ben, on se rend de nouveau bientôt alors. Allez, ciao tout le monde.